onde que malina nan yo llama. Cacunde que malina nan yo llama. Basila kalima konondo mo, this is Simonina. Marafé, this is Simonina. Dila basila kalima konondo mo, this is Simonina. Oso chama kate mo kela, omo marafé nedi. Dila basila kalima konondo mo, this is Simonina. Na fala kaya te mo kela, omo marafé nedi. La basila calima por un tomo, ese es Simonina. Como chama de modela, como marafeneri. Y la basila calima por un tomo, ese es Asimina. Asimi coita, la lila. Jaya benima, imasila. Asimi coita, hoy es sanada. Te señala. Kamade, baby baboro, moso para su mami tan funda. Tese, ila basila kalima kono tobo, tese asimina. Cheba koro su mami tan funda. Tese, ila basila kalima kono tobo, tese asimina. Aki temba kari koita de asimina. Asimina. Vladimir Putin, Lanila. Brass Vutin, Vladimir Putin. Spassiva. Gia Kanachian Nyonche. Shogel Maïga, Abdoulaye Maïga, Sadio Kamara, Modibo Kone, Amadou Diaw, Ismaël Wadi, Abdoulaye Diop. Les Fama. Force. Alima Baba, Bajalo Baba, Jaya Beni Mai Masira. Asimi Oye! Connecté avec moi ce soir, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zayer un peu. Ah, les boucles d'oreilles ont commencé à sortir. C'est que ça, c'est que c'est gâté. Merci d'être connecté. On va zayer un tout petit peu. On a vu le discours remarquable. Le discours à coup.
couper le souffle. Le discours qui démontre encore par A plus B que le Mali d'hier et le Mali d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Le discours qui démontre encore à qui veut l'entendre. Les Maliens que vous dites qu'ils sont des illettrés, aujourd'hui, le Mali fait la fierté, pas seulement des Maliens, mais la fierté aussi des, comme on le dit, des Africains, de toute l'Afrique en général. Au cours de ce meeting d'aujourd'hui, cette conférence d'aujourd'hui, j'ai vu ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était quand même, comme on le dit, le niveau de la Chine. La Chine qui a apporté son soutien et aussi la Russie qui ont apporté leur soutien aux Maliens qui ont demandé à ce qu'on puisse permettre au Mali de pouvoir s'émanciper, permettre au Mali de pouvoir se sécuriser. Et il faut applaudir aussi les efforts et l'effort fournis par Assimi Goïta, par le gouvernement en place en ce moment et à cet instant T, qui démontre encore par A plus B que le fléau du terrorisme est quelque part, je le dis, un peu, on arrive, et voilà, le Mali arrive à gérer le problème du terrorisme encore mieux aujourd'hui qu'hier. Donc, je peux le dire haut et fort que cette conférence au niveau de l'ONU a été vraiment à couper le souffle avec, au final, l'intervention. Mais pendant, bien avant l'intervention du ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, on a eu et on a vu qu'il y a une dame qui s'est quelque part, comme on le dit, qui ne s'est pas gênée, que pour moi, la guêpe, on va écouter, parce que quand j'ai fait le post concernant cette dame qui a été, démasquée par le ministre Abdoulaye Diop, il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais la guêpe, de qui tu parles? Qu'est-ce que la dame, elle a eu à dire? On va écouter rapidement ce que la dame a eu à dire. Et en fonction de ça, nous allons faire le cassement de papeau. Et je vais vous dire réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant. Son exposé. Je cède maintenant la parole à Madame Aminata Cheikh Diko. Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de l'aménagement. Intervenir devant le Conseil de sécurité comme membre de la société civile est non seulement un privilège pour ma modeste personne, mais surtout une grande responsabilité. Celle de porter la voix des filles et des fils du Mali, mon pays dont je suis fière. Le Mali continue de faire face à des défis complexes. La menace des groupes terroristes est toujours présente et touche aujourd'hui les quatre coins du pays. Les attaques visant les forces de défense et de sécurité s'étendent de plus en plus dans le sud du pays, notamment dans les régions de Sikasso, Koulikoro, Koutiara. Je vais d'abord commencer par dire que cette dame, le gouvernement malien ne s'attendait même pas à l'intervention de cette dame qui se dit être du côté de la société civile. Mais ce que moi j'ai besoin que les gens puissent comprendre, c'est que aujourd'hui les yeux sont sur le Mali. Aujourd'hui il faut comme on appelle quelque part trouver des voies et moyens à minimiser le travail que Assimi Goïta est en train de faire au niveau du Mali. Il faut trouver des personnes qui vont sortir et des personnes, maliennes, des Maliens ou des Maliens, qui vont sortir à vouloir montrer ou bien démontrer le contraire de ce qui est la réalité sur le terrain en ce moment et à cet instant T au niveau du Mali. Cette dame, pour moi, je le dis haut et fort, elle est venue, c'était toujours pour pouvoir donner l'impression que le Mali est encore dans le trou. Oui! Assimi Goïta est arrivé il y a combien de temps? C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas longtemps qu'Assimi Goïta est là. Donc si vous voulez accuser Assimi Goïta pour les problèmes, les maux de choses du Mali, vous devez d'abord commencer par le régime de Ibeka. C'est de ça qu'il s'agit. Le fléau du terrorisme, ce n'est pas aujourd'hui que ça existe.
Le fléau du terror, ça existe depuis combien de temps? Mais on peut même dire que c'est sur l'ère de Assimi Goïta que aujourd'hui on arrive à repousser des terroristes. On arrive à repousser des djihadistes. On arrive à avoir le contrôle de certains points stratèges au niveau de Bamako. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous ne pouvez pas vous lever, venir accuser Assimi Goïta qui vient tout juste de rentrer. On ne lui a même, et puis en plus de cela, on ne donne même pas la chance à Assimi Goïta de faire son travail convenablement, comme il se doit. Le Mali était sous embargo. Les fonds du Mali ont été bloqués. Donc, vous vous attendez à quoi? Je vais vous faire écouter parce que quand on a un fruit pourri au milieu des fruits, il faut enlever ça pour jeter. Sinon, ça risque de pourrir les autres fruits. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter cette dame qui se dit soi-disant, comme on appelle, de la société civile, que pour moi, je vais finir. On va écouter. Allons-y. Tout doucement. Notamment dans les régions de Sikasso, Kulikoro, Kuchala et Kaï. Et même aux alentours de la ville de Bamako. D'autres attaques, dont certains par engins explosifs improvisés, visent les véhicules de transport en commun, les convois logistiques, humanitaires et même des casques bleus. Les groupes terroristes et d'autres groupes similaires enlèvent et exécutent des personnes. Ma chérie, empêchent les paysans de mener les actes. Bité au bel groupe terroriste, moi, voilà, mal la katofa. Et à la nga moi, tu sais qu'il fasse au calais. Moi, tu sais qu'à fille, tu sais qu'à fond, qui vient dans Mali, toi, tiens. Qui vient dans Mali, tiens, tu vas venir gâcher l'image du Mali au niveau de l'ONU. Je te dis, et fort, que ça n'a même pas eu un effet. Ça a été vu et ignoré aujourd'hui à la conférence de l'ONU. Vu et ignoré. Vous pensez que c'est vouloir être payé, c'est payer certaines personnes qui n'ont pas de conviction. Certaines personnes qui sont prêtes. Il y en a qui ne sait qu'à mouler, qui ne sait qu'à faire mouler fort. Et c'est on est là. Mais il y a que du Mali, c'est qu'à bon nom là. Fouette que foyer. Et à la fouette que foyer. Fouette que foyer. Allez s'asseoir. Il y a des engins explosifs. Tu allais parler des 46 mercenaires ivoiriens qui sont allés vouloir déstabiliser le pouvoir du Mali. Tu as parlé de ça. Tu as parlé des vrais problèmes de la société du Mali depuis le temps de combien de présidents qui étaient là. Tu n'as pas parlé de ça. Ma chérie, chérie-toi, on va faire ta sauce au propre. Tous les prêtres les traites de différentes nations, on va vous démasquer. Exécute des personnes. On va écouter. Empêche les paysans de mener les activités, et prive les communautés locales des moyens de subsistance ou les oblige à quitter le village. Selon les statistiques de suivi des mouvements des populations au Mali, 412 387 Maliens, soit près de 80 000 ménages, sont des déplacés internes, dont 54% des femmes. On écoute. À ces chiffres, il faut ajouter près de 200 000 réfugiés maliens répartis dans les pays de la sous-région. Ma chérie, les réfugiés là, c'est dans tous les pays. Les réfugiés là, c'est dans tous les pays. Même la Côte d'Ivoire, quand on dit on est un pays émergent, il y a réfugiés là-bas. Il y a les Ivoiriens réfugiés au Mali. Il y a les Ivoiriens réfugiés au Sénégal. Il y a les Ivoiriens réfugiés au Maroc. Il y a les Ivoiriens réfugiés en Tunisie. Il y a les Ivoiriens réfugiés en Égypte. Il y a les réfugiés là, il y a ça partout. Il y a ça partout. Les déplacés de guerre, il y a ça partout. Ça ne va jamais finir. Ça a toujours été comme ça. Ça va toujours être comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Sont les premières victimes de cette situation. Elles s'occupent des enfants alors que leurs époux sont en fuite ou disparus. Elles errent dans la brousse et ne savent pas exactement où aller. Elles bravent les intempéries et dorment dans des abris de fortune. Elles subissent toutes sortes de violences, y compris celles liées aux... Celles qui ont pu gagner les grandes... et les victimes de pression. Et ne bénéficient d'aucune assistance et n'ont aucun espoir ni aucune opportunité pas parce que elle s'appelle Amina Kandiko. Cette situation est aggravée par l'insécurité alimentaire qui réside à la fois des conflits, des changements climatiques
et du retrait forcé de certains humanitaires qui a causé. Son nom, c'est Aminata Diko. Pour les personnes qui demandent son nom c'est Aminata Diko. L'armée Mali a multiplié ses opérations militaires pour lutter contre les terroristes. L'opération militaire clairement réelle et évaluée. Tellement même le réseau, le réseau ne passait même pas. Constaté par rapport aux droits de l'homme. En effet, qu'on se le dise, la présence des partenaires militaires russes aux côtés de nos forces armées maliennes, dont la bravoure est à saluer, est loin de faciliter les choses. Ces acteurs sont impliqués dans la commission des violations graves. Les partenaires, quels partenaires tu parles, ma chérie? C'est la France. Il faut faire attention à ce que tu dis, des motifs face au Kélé. De quel partenaire toi tu parles? Aujourd'hui là, je le dis haut et fort, si les Maliens enlèvent même l'armée française, la main du Mali pour les jeter là, faut être refouillé. Aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un pays en Afrique de l'Ouest qui est plus armé, qui a plus d'équipements que le Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai même pas besoin, ça vaut même pas même le coup même de continuer à écouter les bêtises de cette dame. Ça ne sert à rien. Parce que bien, quand on regarde, on écoute ce qu'elle a eu à dire, on sait déjà que cette dame, elle a été. Et moi, ce que je n'ai pas compris, et je demande aux Maliens de chercher à comprendre, comment ça se fait que une personne, soi-disant société civile, soi-disant qui est malienne, qui travaille, qui fait part de quoi du Mali. Comment ça se fait que le gouvernement malien n'était pas au courant que cette dame-là devait passer? Venir faire, un discours au niveau de l'ONU. C'est ce côté-là que je n'ai pas compris. Je pense que le ministre, Aboulaye Diop, je peux même dire le président Assimi Goïta, doit chercher à comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je l'ai dit que l'ennemi est partout. Les gens sont prêts pour tout. Les gens sont prêts pour des miettes. Les gens sont prêts à trahir leur patrie. Les gens sont prêts à trahir leurs convictions. Les gens sont prêts à trahir leurs idéaux. Tout juste pour mener cette politique du ventre. Toi, tu nous parles de terrorisme. Tu nous parles de l'éducation. Tu nous parles de tel ou tel truc qui existe au Mali. Mais donnez la chance à Assimi Goïta de faire le travail. Donner la chance au Mali de travailler. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas le Mali qui refuse de travailler, ce sont les gens qui empêchent les Maliens de travailler. Jusqu'à présent, ce n'est pas le Mali qui refuse qu'il y ait une éducation adéquate. Depuis le temps, on va aller derrière le temps de combien de présents jusqu'à Ibeka, jusqu'à aujourd'hui, Assimi Goïta. Assimi Goïta, il vient d'arriver. Assimi Goïta vient d'arriver. Donc, Aminata Diko, je vais t'appeler par ton nom. Aminata Diko, si tu n'as rien à dire, tu la fermes et tu laisses. Tu laisses les Maliens faire ce qu'ils ont à faire. Si tu ne peux pas emmener quelque chose de différent, si tu ne peux pas envoyer des critiques qui vont emmener le Mali à aller de l'avant, le discours que tu as pris pour aller faire à l'ONU, là, tu pouvais prendre un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères et puis aller expliquer tes problèmes. Tu pouvais prendre un rendez-vous avec le premier ministre, aller expliquer ton problème. Tu pouvais prendre un rendez-vous, même avec Assimi Goïta, aller expliquer le problème. Si tu dis que tu es de la soi-disant société civile, vous pensez que c'est aller devant l'ONU là? Vous pensez que c'est aller vous asseoir et faire les conférences là devant l'ONU, devant les Américains, les Français, c'est ça qui va vous donner du crédit? On n'en a que dalle de ça. Les réalités du Mali, il faut vivre au Mali pour connaître les réalités du Mali. Il faut vivre là-bas pour connaître les réalités. Et seule la plupart des Maliens aujourd'hui, je n'ai pas dit que tout est parfait. Rien n'est parfait sur terre. Mais donnons le crédit à Assimi Goïta. Donnons le crédit pour l'effort qu'il est en train de faire. Donnons le crédit pour le ministre, Aboulaye Diop. Donnons le crédit pour Chouga Maïga. Donnons le crédit pour tout le gouvernement malien. Parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, en si peu de temps, le pouvoir de Ibeka n'a même pas pu faire le un tiers de ça. Aujourd'hui, on sait que le Mali appartient aux Maliens. Aujourd'hui, on sait que le Mali appartient aux Maliens. Et c'est cette image, c'est ce que le Mali est en train de démontrer.
que le Mali est pour les Maliens d'abord. J'aurais bien aimé que la Côte d'Ivoire soit dans ce sens. Le Mali pour les Maliens. Le Mali, les Maliens viennent avant tout. Pendant qu'ils sont en train de travailler pour enlever le Mali, car Mali Bonor, la MNSI, Conférence ONU, là, quoi, Dolata, Bolate. Tu vas venir t'asseoir à une conférence, vouloir chercher à dénigrer le travail qui est en train d'être fait au niveau du Mali. Ma chérie, tu es trop petite pour ça. Et Kadoroma, s'il y a un bouton qui a pété dans ton Kungolo, là, ni fin de main, fin de te marcher là, Kungolo, il est à la guerre, quoi. Et à disponible, on est là, tu sais qu'à foi le bon mal là. Voilà, tu foi faramalika, tu foi bon mal là. Tu as entendu les puissances, tu as entendu la Russie parler, tu as entendu la Chine parler, tu as entendu d'autres pays parler, en train de dire que le fléau du terrorisme a diminué aujourd'hui et qu'il faut féliciter le gouvernement malien. Toi, une inconsciente, toi, tu vas venir t'asseoir pour nous parler de quoi? Toi, tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, le combat qu'Assimi Goïta est en train de parler, là, le combat qu'il est en train de mener, c'est un combat, je le dis, pour tous les Africains. Ce n'est pas un combat pour les Maliens. Si vous voyez qu'aujourd'hui, moi, étant ivoirienne, je sens aujourd'hui que je fais des directs en train de parler de la vie politique du Mali, c'est parce que je vois qu'à travers le Mali, à travers le combat, si nous acceptons tous de former une personne et de soutenir Assimi Goïta, dans le travail qu'il est en train de mener aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T. Je le dis, ce sera éveil de conscience pour les autres, pour la génération, pour cette génération. Et pourquoi pas pour les autres générations à venir. C'est de ça qu'il s'agit. Vouloir aller dénigrer le Mali, donner l'impression que quand on arrive au Mali, c'est un champ de... C'est pas comment le dire, c'est... Tout est c'est la racaille. Non, tout est structuré. Il n'y a pas quelqu'un qui peut moi m'expliquer ça plus que toi. Tout est structuré au Mali. Le changement est en train de s'opérer. Ça va lentement parce qu'on a des imposteurs, des brigands, des voyous de premier chemin qui ont passé des années et des années en train de plier les biens et les ressources du Mali. Aujourd'hui, le Mali est en train de chercher à se dissocier de ces personnes. Le Mali est en train de chercher à chasser ces personnes pour pouvoir eux-mêmes prendre le contrôle. Mais aujourd'hui, là, si cette France que vous êtes en train de parler, là, elle n'est plus au Mali, là, mais vous pensez que les biens et les ressources du Mali, là, ça va appartenir à qui? Qui va en profiter? Ce sont les Maliens. Comment vous pouvez croire que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on est comme, je pense, les deuxièmes et troisièmes producteurs de cacao. Mais chocolat, là, on ne peut pas payer. Nous-mêmes, Ivoiriens, là, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas manger chocolat. Pourtant, c'est nous, on produit le cacao. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, donnons la chance au monsieur de faire son travail. Ne venez pas lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que le moment où vous cherchez, vous êtes en train de parler, il n'y a pas éducation, il n'y a pas insécurité, il y a comme ci, il y a comme ça. Dans le même temps, le Mali était sous embargo. Dans le même temps, le Mali est attaqué. Mais attendez, la Assimi Goïta, c'est un être humain quand même. Dina Konte Wokololite Mwanafine, c'est un être humain. Il ne peut pas être là à tout faire à la fois. Il est en train de combattre le fléau du terrorisme. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire le contraire. Le côté du terrorisme aujourd'hui au Mali, il avait attendu. Il a trop repoussé. Et comment on appelle? Il a repoussé. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, on ne peut pas. Une Yerelon Bali, Nafig, une Yerelon Bali. Il est une Yerelon Bali. MFC, quand on a Mali, toi, tu es ONU là. Eh, je dis le Mali là. ONU là. Ils vont monter, ils vont descendre. Au Benané, à Ben Mali, Talema. Fouette que fouille. C'est ça qui est la vérité. La France ne peut pas s'élever pour venir dire qu'elle va attaquer le Mali. Mais est-ce que vous comprenez même est-ce que vous avez une idée même comment les choses se passent? Est-ce que vous avez une idée? Et cette dame, je suis sûre qu'elle a été sûrement payée quelque part pour sortir et raconter cette merde, ce bordel qu'elle est en train de raconter au niveau de l'ONU là-bas. Parce que tout ce qu'elle dit là, ça, je me demande même si elle est sûre. Elle vit même au Mali. Parce que quelqu'un qui vit au Mali, tu connais les réalités du Mali, tu vas savoir qu'il y a une amélioration aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas au Mali, tu es tranquille. La sécurité, tu es tranquille. Ça, c'est déjà un acquis.
C'est qui n'était pas là avant? Les terroristes que vous êtes en train de plaindre, c'est qui les terroristes? C'est qui? Ces terroristes-là, ce sont qui? Expliquez-nous. Quels sont les terroristes qu'on est en train de... les Maliens sont en train de chasser? Allez chercher à comprendre. D'abord, pourquoi cette histoire des terroristes-là? On parle de terroristes, 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 ça ne finit pas. Mais aujourd'hui, là, on est en train de repousser tout ça. Donc, si le Mali, les Maliens, Assimi Goïta en train de faire l'effort de sortir, faire sortir le Mali, en train de faire l'effort pour que le Mali puisse aller de l'avant. Anamalon, avec Baramikala, avant là, toi tu mangeais. Au temps de Ibeka là, vous mangez. Vous mangez. Au temps de Ibeka là, il y avait la sécurité. Au temps de Ibeka, il n'y avait pas de terroristes, quoi. Donc, aïe, Sabari, aïe, Moukoumou, la fiasa. Faut être qu'un foyer. Arrêtez de nous emmerder là. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Tout ce qui est nouveau dans cette histoire du Mali, là, ce sont les changements concrets. Les changements que nous-mêmes, on voit. Les changements que les Maliens même voient. Oui, ce n'est pas facile. Je suis d'accord. Parce que pour qu'il y ait, pour que les choses puissent évoluer, il y a des moments où c'est dur. Tout le monde doit qu'on cagbele. Mais après, au fur et à mesure, abé famia. Des personnes qui n'ont aucune... Quand on n'a pas une idée des problèmes de son pays, quand on n'a pas une idée de ce qui se passe sur le terrain, on ne sort pas, on n'ouvre pas sa gueule. On la ferme. On la ferme. Tu pensais que ton discours là, ça allait, on allait applaudir, ou bien des personnes qui t'envoyaient pour aller faire ce discours là, ça allait leur permettre de dire, ah, voilà, même les Maliens, même la société civile, je le dis haut et fort. Partagez mon direct là, ça va rentrer dans les yinyinons là, ils vont comprendre. Cette dame là, elle n'a aucune notion des réalités du Mali. Elle n'a aucune notion des réalités du Mali. Parce que si elle avait une idée de travail que Assimi Goïta est en train de faire là, Wallahi Bilahi Tala, elle n'allait pas venir s'asseoir et raconter ces conneries qu'elle a dit au niveau de l'ONU. Mais ce n'est pas de sa faute, de toutes les façons. Il y a toujours des personnes comme ça pour gâcher le travail des autres. Il y a toujours des personnes comme ça pour venir salir, donner l'impression que ce que le monsieur est en train de faire là, il n'y a rien de truc. Mais tu as vu ta réponse que le ministre Abdoulaye Diop t'a donnée. Il t'a recadré, il a recadré là. J'ai dit, moi, il était là. J'ai dit, ouais, le monsieur là. Dina Lomé Woklono. Abdoulaye Diop. Eh, moi, les wa, eh, Dina Lomé Woklono. Eh, Dina Lomé. Non, mais tu as gâté le coin pour déposer. Ouais. Chapeau. La réponse, c'est qu'il les a recadrés. Cette dame-là, on ne la connaît pas. Point barre. On va écouter ce que le ministre Abdoulaye Diop a eu à dire. On va écouter. Une menteuse de la République. Alors, il y a un cas de ce qu'a Mali Torotien. Eh, Mali Torotien, c'est qu'a tient. Mais comment tu sais qu'à tient parce que le travail qu'a signifié en ce moment-là, tu peux pas. Je dois dire que nous n'en avons pas été informés. Voilà. Nous ne connaissons pas cette personne. Nous ne connaissons pas l'organisation qu'elle représente. Au nom de qui elle fait. Ah, Abdoulaye Diop. Ah, le Miss Abdoulaye. Eh, Morale. Eh, Djinale. Eh, Djumale. Et puis là, il a parlé tout doucement. Puis c'est rentré dans les côtes des dirigeants de l'ONU. C'est rentré dans leur cœur, ils ont compris. C'est qu'il les a démasqués. Toutes les personnes qui étaient assises à pour dire, on va voir maintenant ce qu'il va dire. Ah, la fille, elle est venue dire ça. Elle a fait comme ça. Il dit, il les a recadrés. Il dit, je ne la connais pas. Je ne connais pas cette organisation. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. On ne la reconnaît pas. Un point barre. Un point barre. Personne ne te connaît au Mali. Moi, j'ai appelé les gens là-bas. J'ai dit, mais n'y est-ce pas, les quoi? Comment ils l'ont qu'on a la lunette, il va faire qu'on loupou. Les Maliens vont me tuer. Ah, quoi qu'à la lunette, il va faire qu'on loupou. Eh, c'est une grosse lunette, André loupe qui est sur son visage. Elle n'arrive même pas à lire ce qu'elle est en train d'écrire. Elle a tué même qu'on demande, on a écrit même pour lui donner. Tu n'arrives même pas à t'exprimer comme moi ici en train de tuer le français. Tu n'arrives pas à lire. C'est toi, tu vas aller t'asseoir, tu vas aller dénigrer le Mali. Et qu'adore Mali, ça. Devant votre conseil, voilà.
Et naturellement, nous doutons de la représentativité et de l'habilité de cette personne devant cette auguste assemblée. Monsieur le Président, il est important que les membres du Conseil eux-mêmes se remémorent, qu'il est important de se rappeler que l'instrumentation de la société civile pour des agendas cachés ne sert pas au de la société. Quand Abdoulaye Diop a dit ça, j'étais à la Wakoubara. Elle, monsieur, elle est dans la vision. Des agendas cachés. Des gens qu'on paye pour vouloir dénigrer. Des gens qui veulent gâter le nom de Assimi Goïta. Des gens qui veulent gâter le nom du gouvernement malien. Des gens qui veulent donner l'impression que le Mali, là, ça va pas. Les Maliens sont souffrent. On doit venir secourir le Mali. On te connaît pas. Aminata Diko, en Milan, bien Milan, Sini. En Milan, on te connaît pas. Hey Johnny. On te connaît pas. Tu es persona non grata. We don't know you. On te connaît pas. Tu viens d'où? Et puis toi, tu vas venir parler. Que tu es quelle société civile? Si il y a quelqu'un de la société civile, là, quand même, le ministre allait connaître la personne. Il allait savoir c'est qui. Et de société civile, hey, gangster, les hey, fouilla, folla, nous sommes des fania fautés. Ah! Là, c'est gâté. Toi, tu es une menteuse de la République. Toi, tu es une menteuse de la République. Il n'y a toi, tu es trop petit dans ça. Afin même où le vieux brigand de Ouattara n'a même pas pu déstabiliser le Mali. Et il n'y en a aucun les qui n'a coqué mal là. Afin même où France n'a même pas pu, même pas devant Mali. Et il n'y en a aucun les qui n'a coqué mal là. Afin même où, comment on appelle, la France même en train de sécher, ministre, tous les Gouaïs n'ont même séché dans l'affaire de Mali là. Mali là, toi, tu penses que toi, une petite, une pépérette comme toi, la minuscule comme cela, toi, tu peux venir changer quelque chose dans l'évolution du Mali. Et Kadro Mandé, IRM Nadé. Ceux qui t'ont mis dedans, là, il faut leur dire que si eux-mêmes, ils ne peuvent pas venir se déclarer, là, si eux-mêmes ne peuvent pas venir face-to-face se dévoiler, venir combattre le Mali, là, toi, là, tu es trop petite dans l'affaire du Mali. Tu es trop petite dedans. On ne te connaît pas. Tu es persona non grata. On ne te connaît pas. Voilà, c'est ce que le ministre a dit. L'invitation de cette personne aux autorités maliennes pour que nous puissions travailler à protéger toutes les communautés, si c'était nécessaire de le rappeler, le Mali est un pays ancien de tradition multiséculaire, un pays multiethnique, une mosaïque de population. C'est ça même. À aucun moment, le gouvernement ou même son armée ne peut s'engager dans une lutte contre une partie de notre propre population. Je pense que certains qui ont des agendas cachés, qui ont réussi ailleurs à opposer des communautés, à créer des guerres ethniques, ont tenté au Mali, ça n'a pas marché. Tu es trop petite, ma chérie. Mon mia foi, il y en a qui est na kuma onu là. Kafo ki bena na fania la malion ka. Kafo ki bena na mali, mali to atchia. Eh, et Kadoro Mandé, tu es trop petit dans ça, ma chérie. Il faut quitter dans. Il faut cliquer dièse dessus. Là même où je l'ai dit, j'ai dit la France a échoué là. C'est pas toi, tu peux faire quelque chose. C'est pas toi, tu vas venir dire quelque chose. Et puis ça va changer quelque chose dans le truc du Mali. Je dis aujourd'hui, le Mali là, c'est un catadron. Un catadron. Le Mali là, ça s'en va seulement. De jour en jour, vous ne voyez pas l'évolution du Mali. Vous-même, quand vous vous asseyez là, vous ne voyez pas que le Mali est en train de changer. On a besoin de vous dire ça. On a besoin de vous dire ça. Si vous voulez déclarer, s'il y a des personnes, moi j'ai dit, j'ai dit à Sylvie Goïta là, moi en tout cas, moi je prie Dieu. Ce n'est pas leur histoire de leur constitution de là-bas, mais je prie Dieu. Si Assimi Goïta peut se présenter pour être président de la République du Mali, moi la guêpe là, voilà, et Bilay Talay, moi je serai. Je suis prête même pour faire la campagne d'Assimi Goïta. Si Assimi aussi, c'est qui ne peut pas là. Aujourd'hui là, il y a trop de Maliens, il y a trop d'intellectuels là. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui peuvent prendre la relève. On va donner un exemple très simple. Le ministre Abdoulaye Diop. Pourquoi pas? Maïga, comme lui, c'est un militaire, donc je ne sais pas. Mais il y a trop de personnes aujourd'hui, là, qui peuvent gérer le Mali.
qui peuvent emmener le Mali à aller de l'avant. Je prie Dieu pour que ça soit toujours l'équipe de Assimi Goïta. Je le dis parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne et puis vont venir gâcher tout le travail qui a été accompli. Parce qu'il y a des ennemis aujourd'hui. Il y a des personnes qui ne veulent pas l'évolution du Mali. Il y a des Maliens, mais dans des Maliens, on redobère. On te fait Mali avec Abonora. Comme partout, il y a des traites. Il y a des personnes aujourd'hui, là. Tout leur souhait, c'est que le Mali, là, ça tombe. Mali, tu sais qu'à B. Mali, mais t'as sans fédron. Sans fédron. Il y a des personnes aujourd'hui, leur, comment on appelle, leur priorité, là. C'est de voir Assimi Goïta échouer. Même si ce qu'Assimi fait là, c'est bon pour eux. Même si ce qu'Assimi fait là, c'est bon pour les Maliens. Mais oh là, leur jalousie, aucun Nafria, aucun Nyangoya, aucun, et comment on appelle, Soubaraya Koso. Ils ne veulent pas que ça réussisse. Parce qu'on m'a dit que c'est Assimi Goïta. Assimi doit ou déné. Assimi doit ou ba Nyangoya ou ba ko. Doit ou ba Assimi Nyangoya, doit ou ba Assimi ko. Moi, mon coquibi, il est blasini nia. Moi, mon coquibi, assimi tachia. À la bitachia qui, il trouve un sama au bétachia. Parce que assimi, avec Kerem, il est avec Kerem, il est belé. Avec Kerem, il est Afrique belé. Le combat qu'assimi mène aujourd'hui, c'est un combat pour toute l'Afrique. Toute personne qui dit, tu vas venir empêcher, détruire, comment on appelle, mettre des bâtons dans les roues pour l'évolution du Mali. Voilà, il bilait à la bitachia, il trouve un sama au bétachia. Parce que le Mali, c'est un pays qui est riche. Et le Mali a du potentiel. Je le dis haut et fort. D'ici 10 ans, à la lue où les choses évoluent, si vous donnez 10 ans au Mali, on ne va pas reconnaître le Mali. Vous donnez 10 ans au Mali, on ne va pas reconnaître le Mali. Oui, si on ne peut pas Assimi Goïta, comme je l'ai dit, voilà, je l'ai dit, avec du non pour la candidature, Assimi ne sera pas un bon initiant en tant que les choses ne sont pas encore... Oui, même si Assimi ne peut pas se présenter, si la constitution ne permet pas à Assimi de se présenter, mais il y a d'autres personnes qui peuvent se présenter, qui sont dans le même concept. Au fait, moi, je veux dire, c'est le concept d'Assimi Goïta. La lancée, c'est qu'il est en train de faire, là. Abdoulaye Diop, pourquoi? Lui, il peut se présenter, il peut être un candidat, c'est un candidat potentiel. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais la guerre, mais le ministre Abdoulaye Diop, là, lui, il peut être candidat aux élections, mais pourquoi pas? Il a du potentiel. Il a du potentiel. Aujourd'hui, il y a des personnes au niveau du Mali, là, qui peuvent prendre la relève, qui peuvent continuer dans le chemin. Mon seul problème est que il faut que ce soit une personne qui est là pour les Maliens, parce que le Mali a trop souffert. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si on doit venir prendre quelqu'un qui va faire retourner le Mali encore 100 ans en arrière, ça n'a aucun sens. On veut que le Mali puisse aller de l'avant. On veut que les comme on appelle... Il y a un qui dit s'il peut se présenter pion. Ah mais ça dépend de la constitution malienne, comme je le dis. Moi, je suis pour le respect de la constitution. Si la constitution là-bas dit que Assimi peut se présenter, Wallah, Assimi est représenté ça. Un baby, on est là pour ça. On est là pour ça. Mais si Assimi ne peut pas, qu'il y a d'autres personnes, il y a plein de... Aujourd'hui, il y a trop d'intellectuels. C'est aujourd'hui que vous avez compris que déjà au Mali, il y a des intellectuels. Avant, là, quand on parle du Mali, vous parlez quoi? Ah, c'est la même, ils aiment parler le bambara. Ah, tous les jours, c'est du là. Même quand tu vas dans les bureaux, l'administration, tout le monde, c'est... Mais vous ne démontrez pas A plus B que c'est un choix. C'est un choix pour eux de parler le bambara. C'est un choix pour eux de le parler. Sinon, ils sont très... Je dis, mais est-ce que vous avez une idée? Les Maliens sont tellement intelligents, tellement de diplômes. Mais attendez là. Attendez là. Ne les voyez pas en train de parler bambara pour penser que non, vous pouvez faire vos malaises sur eux. Hein? C'est des intellectuels qui sont là-bas. Shoga, lui, il est... Shoga Maïga, lui, il est... Je ne sais pas de quel Shogun tu parles, mais l'autre, lui, il est militaire, donc je ne sais pas si ça lui permet, sinon ça sera dans le même sens qu'Assimi. Voilà. En tout cas, moi, je dis là, je veux que la personne qui va venir là, aille dans le sens d'Assimi Goïta. C'est ça qui est mon problème. Voilà. On dit, oui, que la nouvelle constitution lui permet. Ah, si la nouvelle constitution permet à Assimi Goïta de se prendre, ah, Assimi va représenter quelqu'un.
ACBC se présente. C'est tout fait de foyer. ACBC se présente. Sadio Camara aussi est là. Eh, hey, Camara, Camara, ben Camara. Ça sera un Camara maintenant. Ah, c'est tout. Sadio Camara aussi est là. Lui aussi peut se présenter. Pourquoi pas? Ils sont tous compétents. Sans exception. Ils peuvent tous se présenter. Peu importe la personne qui se présente là, qui vient du camp d'Assimi. Dis-lui là, il était à Assimi. Moi, la guêpe là, je suis là. Je serai là. Vous allez avoir mon support inconditionnel. Inconditionnel. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter ce que le ministre a eu à dire concernant cette dame. Je dois dire que nous n'avons pas été informés. Nous ne connaissons pas cette personne. Nous ne connaissons pas l'organisation qu'elle représente, au nom de qui elle s'exprime devant votre conseil. Et naturellement, nous doutons de la représentativité et de la crédibilité de cette personne devant cette auguste assemblée. Monsieur le Président, il est important que les membres du Conseil eux-mêmes se remémorent, qu'il est important de se rappeler que l'instrumentation de la société civile pour des agendas cachés ne sert pas la cause de la société civile. L'invitation de cette personne aux autorités maliennes pour que nous puissions travailler à protéger toutes les communautés, si c'était nécessaire de le rappeler, le Mali est un pays ancien, de tradition multiséculaire, un pays multiethnique, une mosaïque de population. À aucun moment, le gouvernement ou même son armée ne peut s'engager dans une lutte contre une partie de notre propre population. Je pense que certains qui ont des agendas cachés, qui ont réussi ailleurs à opposer des communautés, à créer des guerres ethniques, ont tenté au Mali, ça n'a pas marché. L'armée malienne, une armée professionnelle multiethnique, va continuer à travailler pour défendre tous les Maliens, toutes les communautés maliennes, pour renforcer notre cohésion nationale. Je crois que ce dont le pays a besoin aujourd'hui, ce n'est pas des messages de division. Ce sont des messages qui unissent. Et le Mali continuera dans ce travail, dans le plein respect des droits de l'homme et dans le souci de pouvoir rassembler les Maliens. Nous souhaitons que dans le cadre du partenariat, le Conseil aussi puisse revisiter ses méthodes de travail pour renforcer la collaboration avec mon pays. Merci. Monsieur le Président. Oui, c'est tout. C'est tout. On ne te connaît pas, on ne te connaît pas. Dans ta racaille que tu allais faire au niveau de l'ONU, là. Faut être fouillé. Ça ne va rien changer dans l'évolution. Ça ne va rien changer dans le travail que Assimi Goïta est en train de faire. Donc, allez-y, dis à Aminata Diko. Elle a la chance même que Diko, là, j'ai du respect. Sinon, j'allais gâter même pour déposer tout de suite. Là. Faut pas gâter le nom de Diko, là. Hein. Toi, là, il sait pas ce quel genre de Diko, toi, tu es. Pas les Diko, là, eux, les respectent. Les Diko, ils sont intelligents. Il est là, tes Diko, il y en a maillé, quoi. Il faut te revoir, hein. Il faut te revoir. C'est toi, en fait, tu as des miettes pour chercher à aller gâter le nom d'un show du Mali devant l'ONU, là. Toi, tu penses que l'ONU, il peut faire quoi au Mali? Tu sais, en fait, il est mal, là. Ils peuvent rien faire. OK? Ils ne peuvent rien faire aux Maliens. S'ils pouvaient faire quelque chose, les 46 brigands, les 46 mercenaires du vieux brigand, il y a longtemps, ils étaient allés les arracher de la main de Assimi Goïta pour aller leur remettre ça au vieux brigand de Ouattara. OK? Ils ne peuvent rien faire. C'est ça qui est la vérité. Donc le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, il a recadré ça. C'est la partie la même qui m'a plu. Ce n'est pas une histoire de dire, après on va sortir pour dire... Voilà la femme là, on l'a. J'ai su le qualité du tic au tac. Et ça, franchement, j'ai aimé. Du tic au tac, devant les gens qui ont écouté là, la fille avec ses grosses lunettes, qu'on dirait loupe là. Les gens qui l'ont écouté, les gens de l'ONU là, il a dit devant ces personnes, celle-là, on ne la connaît pas. Donc ceux qui l'ont invité là-bas, quel pays qui l'a invité là, et même quand ils vont s'asseoir, on va leur demander les comptes. Mais vous avez envoyé cette fille-là, elle n'est même pas reconnue par le gouvernement malien. Vous parlez de société civile, elle est de quel côté de société civile? Elle vit où? Elle fait quoi? Quelles sont les preuves? On va commencer à poser des questions. Et puis le ministre Abdoulaye Diop, qu'elle a encore une tôt, il faut leur poser des questions. Elle vient d'où? Qui l'a invité? Allez fouiller. Comme ça, prochainement, quand ils vont envoyer quelqu'un d'autre, aller devant les Nations Unies ou bien quoi, aller raconter leur charabia. Ils vont réfléchir deux fois, remuer ça dans leur matière grise là. Avant d'aller s'asseoir, puis chercher à vouloir dénigrer le Mali. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc sur ce, je vous claque plein de bisous. Et on part toujours, je le dis haut et fort, aujourd'hui le combat là, le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Parce que quand on n'arrive pas à atteindre quelqu'un, quand l'étranger n'arrive pas à t'atteindre là, c'est qui, sa deuxième stratégie c'est quoi? C'est de prendre quelqu'un qui est à côté de toi, quelqu'un qui est dans ton fief, qui est dans ton alentour pour pouvoir te nuire. Aujourd'hui là, le conseil que j'ai à donner à Assimi Goïta, à tout le gouvernement du Mali, c'est de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans l'œil du cyclone. Aujourd'hui, le Mali est visé. Aujourd'hui, le changement que le Mali, le message est fort que le Mali a envoyé à tout un chacun. Ce n'est pas seulement à la France. Je le dis, hein, à tout un chacun et à ceux qui veulent l'entendre haut et fort, que le Mali d'aujourd'hui est un Mali différent. Le Mali d'aujourd'hui est un Mali qui réclame sa souveraineté et dans son intégralité. Le Mali d'aujourd'hui est un Mali qui est constitué d'une jeunesse consciente qui lutte pour cette génération et qui se rassure que les générations à venir ont un avenir bien visé, qui va de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc faites beaucoup attention à vous et à votre entourage. J'ai déjà fait un direct là-dessus en disant de faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde, je le dis, toutes ces personnes qui ont leur pain qui leur a été arraché, toutes ces personnes qui arrivaient à manger, à fonctionner, à se faire des multimilliardaires, sous le sous-sol du Mali, en pliant les biens et les ressources du Mali, ont été démasqués, ont été chassés. Ce sont des frustrés. Ce sont des personnes qui sont prêtes à nuire. Des personnes qui sont prêtes aujourd'hui à chasser, à tuer. Je pèse mes mots. Que ce soit Assimi Goïta ou que ce soit les personnes autour de lui. Pour pouvoir aboutir. Pour pouvoir aboutir à reprendre contrôle de leur pain qui leur a été arraché. Donc, je vous prie de faire beaucoup attention, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit le ministre Aboulaye Diop, que ce soit le ministre Aboulaye Maïga, que ce soit Sugar Kokora, Sugar Maïga, que ce soit toutes ces personnes, toutes les personnes, Sadio Kamara, Kamaran, Kamaran, Ben Kamara, mon frère Kamara, Savari, Yeka, Klitouyere, là, parce que toi, aujourd'hui, tu es le ministre de la Défense. On dit tout ce qui est avion, tout ce qui est oiseau, là, c'est toi qui défendais ça. Donc, ils sont fâchés. Toi, tu es mon frère Kamara, Yé, Savari, Yeka, Klitouyere, là-haut. Please, faites beaucoup attention. Aujourd'hui, là, vous avez plus d'ennemis que d'amis. Aujourd'hui, ce sont des ennemis, mais au fur et à mesure, quand ils vont voir qu'ils n'ont pas le choix que de se rallier à vous, ils seront obligés de faire bas la terre. Mais pour le moment, là, leur but, leur objectif, leur vision, leur priorité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est de chercher à nuire, à déstabiliser ce pouvoir qui, eux, empêche de dormir. Aïe, hakli, douaïre, là. Alibi, alaka, bourou, la malika. Alaka, bourou, la habika. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous claque plein de bisous. Vous passez une excellente soirée, un très bon week-end. Et on part toujours, je le dis haut et fort, sans crainte ni peur. Et on part toujours sûrement avec le GPS de Soro Kebafouri Kiyo. Peace out.